Comme ça, elle est dans le garage. Hop, voilà. C'est une sacrée famille, hein. Une villa avec deux voitures, une moto. Je serais même tenté de mettre une deuxième moto d'ailleurs. Mais on va en rester là au niveau véhicule, hein. C'est très bien. Alors ici, on va commencer à mettre les décos d'extérieur. Genre arbres. Plutôt des buissons, on va mettre. Mettre celui-là. Ça se met pas comme j'en ai envie. Pourquoi? Là il veut bien. Là il veut. Là il veut pas. À cause de l'escalier, je parie. Ouais, c'est à cause de l'escalier. Cet escalier commence à m'embêter. Donc ce qu'on va faire, on va le sélectionner. On va diminuer sa taille. Voilà. C'est très bien ainsi. Ça gênera plus comme ça. On peut mettre quand même ce qu'on veut, où on veut. Voilà, c'est quand même plus joli comme ça. Voilà. Non mais dis donc. Hein? Franchement. Laissez-nous mettre les choses qu'on en a envie. Pareil, je sais qu'il y a un mode qui existe où on peut mettre les objets dans les murs où on veut. Mais c'est pareil, ça va faire bugger le jeu. Hein? Parce que c'est tous des modes qu'il faut utiliser avec parcimonie. Parce que sinon ça ne va pas. Hop. 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 Je fais quelque chose d'assez symétrique. Désolé pour les pluies de cliquer de mon pad. Je sais que c'est embêtant à entendre. Alors ensuite ici, on va se créer un petit peu de terre. On va le mettre en hop, parce que sinon ça fait pas très réaliste. Voilà. Je sais pas combien de temps on va rester ensemble, mais vous allez me détester. Hein. Je suis en train de réfléchir à voir si je vais pas vous la proposer en plusieurs fois, parce que ça fait quand même beaucoup pour vous à regarder, même si c'est quelque chose d'assez intéressant. Moi, c'est le genre de truc que je peux regarder des heures sur YouTube par d'autres YouTubeurs. Effectivement, je passe mon temps à ça des fois. Hop, je regarde, je fais, oh, super, des longues vidéos. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Quand j'ai un peu de temps libre, je regarde les vidéos de mes collègues. Et j'aime bien regarder des vidéos sur les Sims 4, mais des très longues. Bizarrement, c'est celles qui font le moins de vues, hein, malheureusement. Parce que c'est quand même des très belles vidéos. Hop. On va en mettre une là, on va faire quelque chose d'assez symétrique. Sachant qu'ici il va avoir ceci, donc non. Et là vous vous dites, mais quoi ceci? Et ben on va se dire plutôt ceci quoi. Voilà. Donc je peux pas mettre deux végétaux ici. Ensuite la poubelle, on va la mettre aussi, comme ça on n'oubliera pas. Quelque chose d'assez foncé, comme ça ça reste dans dans l'optique de la maison, de la petite villa. Donc là pour l'instant ça va, c'est assez joli. On va passer maintenant à l'intérieur. Alors ici il faut créer une porte de service pour notre garage.
Alors, on va utiliser celle-là. Voilà. Je vais essayer de la camoufler. Alors, c'est où? Ça va être très intéressant d'essayer de trouver ça, par contre. Parce que je vais la camoufler, mais il me faut... Normalement, c'est dans les rideaux. Voilà. On va la camoufler. Comme ceci. C'est le maxi. Hein. Ah non, on peut encore l'augmenter. Ah, je vais peut-être, du coup, l'augmenter. Voilà. Pourquoi il veut pas? C'est bizarre ça. Donc là, ah bah non, j'étais au maximum, d'accord. Ça, on fait un semblant de camouflage de porte de service. C'est pas mal du tout ça. Alors ici, on va se créer. Secret. Je ne sais pas si je mets des rideaux. Est-ce que je mets des rideaux? Non, ils sont pas très jolis les rideaux. Ça c'est pareil, c'est des rideaux que j'ai téléchargés dans les mods. Toujours. N'oubliez pas, si en commentaire ça vous intéresse d'avoir ces mods, faites-moi signe, dites-le moi. Ça me dérangerait pas de vous les donner. Je vous mettrai les petits liens dans les réponses. C'est un peu trop ça. Hein. Parce que je peux pas le mettre au niveau des portes, malheureusement. Donc on va au pire passer aux fenêtres. Voilà. On va créer une fenêtre ici. À l'intérieur. Pour amener de la luminosité dans la maison. Voilà. Ensuite, on reprend nos fameux piquets. On va mettre cela. C'était cela qu'on avait utilisé à l'extérieur. Hop. Hop. On va dans nos fenêtres. Et on va essayer de voir si on peut mettre une simple. Oui, on peut. Parfait. C'est parfait. Est-ce qu'on pourrait plutôt mettre ça? Ce serait plus intelligent de mettre ça. Sachant qu'on a des murs de haute taille, autant mettre les fenêtres. Désolé pour la petite coupure, parce qu'il y aura une petite coupure. J'ai mon Windows qui s'ouvre quand il y en a envie, et moi je ne veux pas qu'il s'ouvre quand il y en a envie. Ça fait quelque chose d'assez intéressant là. On est en train de rentrer dans quelque chose d'assez particulier au niveau construction. Je vais peut-être pas abuser avec les fenêtres par contre, parce que ça va faire beaucoup. Sachant que si je mets des fenêtres, je peux pas mettre de choses derrière. Parce que le truc avec les fenêtres, c'est que ça apporte de la luminosité, donc c'est ce que je recherche aussi. Plus joli d'avoir une maison avec la luminosité. Voilà, très bien comme ça. Donc ici on va commencer à délimiter aussi les intérieurs. Alors par contre là on va prendre dans les grandes tailles. Il n'y a pas ce que je recherche. On va prendre le plus petit alors. On va prendre dans les grandes. Alors, une, deux. Ici. Et une, deux. Ici. Voilà. Je fais quelque chose d'assez symétrique, je suis en train de m'en rendre compte, mais bon. C'est pas non plus. Quelque chose de trop pas beau. C'est pas beau. On va créer une baie vitrée vers l'extérieur. On va plutôt prendre la taille au-dessus.
Parce que je suis en train de me rendre compte que je suis obligé de prendre les grandes tailles maintenant. Sinon ça fait vraiment tout rikiki avec des petites tailles. On va faire pareil de ce côté là. Voilà. On va prendre les fenêtres. On va faire ici. Voilà. Pareil de l'autre côté. Petite fenêtre. Voilà. On va créer une porte de service de ce côté-ci. On va changer la couleur par contre. On va prendre quelque chose de crème. Voilà, on va plutôt la mettre au milieu. Au milieu, comme ça, elle ne gênera pas. On va diminuer les murs. Voilà. Pour mettre les choses à l'intérieur. Alors ici j'ai déjà l'idée de ce que je voulais mettre, donc je vais le faire tout de suite. Comme ça, ce sera pas embêtant. Alors on va se créer une cuisine de style plus contemporain. Alors ici les couleurs. Marron, quelque chose de gris plutôt. Ouais, on va faire quelque chose de gris. Hop, 1, 2, 3. On va créer un coin. Ça qui est bien aussi dans ces petits modes, c'est qu'ils sont vachement complets sur certains sites. Hein. Sur certains sites, ils sont complets, sur d'autres, non. Que là, on peut vraiment utiliser tous les objets proposés. Ensuite on continue là, on prend un normal, voilà, ici va venir ceci, hop, j'espère que ça va pas faire trop grand, là il va avoir ceci, là on va mettre ça, je suis en train de faire une sacrée grande cuisine, du coup je suis en train de me poser la question. Je vais plutôt faire une cuisine ouverte. Mettons nos murs. Et démolissons ceci. On va faire une cuisine ouverte. Ce sera plus joli. Oula, j'ai fait quoi? Retour en arrière, s'il vous plaît. J'ai fait une très grosse bêtise. Donc ici, ce qu'on va faire... Je vais donc fermer... qu'on est en train de faire. Donc là on était là. Donc là il nous faut des droits. Voilà, pareil, pareil. On va reprendre un des coins. Hop. On va créer ceci. 1, 2, 3, c'est suffisant. Ensuite on prend nos murs, on prend des demi-murs et on vient mettre nos demi-murs ici. On va prendre nos bords et on va prendre une bonne couleur. Pour l'instant je prends cette couleur là mais elle va peut-être changer. Ça dépendra. De la couleur que je vais mettre après dans la maison. Donc là on peut pas croiser de meubles, d'accord. Bon, écoute, on va t'enlever. Hop, voilà, voilà, parfait. Comme ça ici au pire on reprend notre cuisine, on va venir mettre, voilà, ça j'aime pas. Ensuite, sachant qu'on a mis ça, on va mettre notre petite couleur qui est adéquate, c'est-à-dire blanc. Blanc, c'est ça. Voilà. Notre frigo blanc. Voilà. C'est pas joli comme ça. Un petit frigo qui va dans la masse. Vous voyez, il y a les mêmes poignées que les meubles.
Ensuite, on va rester dans le même ton. Blanc. Petite cuisinière avec 5 feux. Je vous fais découvrir. Et tout ça, c'est dans le même mode. Ça, c'est un seul mode. La cuisine, en fait, c'est une cuisine qu'on peut télécharger. Et on a les meubles et tout ce qui est en rapport avec cette fameuse cuisine. Sinon, on a cette cuisinière-là. Plutôt prendre celle-là. Plutôt prendre celle-là parce qu'il y a ce petit rebord qui suit du coup avec le reste. Qui suit entre guillemets quand même parce qu'on voit qu'il y a un petit truc. Et il y a ça, j'ai jamais compris. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis en plein milieu. Ah, c'est une lampe, d'accord. On va l'utiliser en... Pas en lampe. On va l'utiliser en chauffe-eau. Vous allez me dire où? Un chauffe-eau dans une villa? Et moi je vous dirais, pourquoi pas. Alors ensuite, comme c'est une cuisine assez contemporaine, on va plutôt laisser en gris. Non, c'est trop foncé ça. On va mettre plutôt en blanc, comme on avait prévu. Voilà. Pas trop haut par contre, parce que sinon, ça ne va pas. Il y a toujours cette ligne qu'on peut prendre en info pour voir la hauteur qu'il faut exactement. Ensuite, on va aller... C'est dans les objets d'extérieur, ça. Objets, voilà. Non, c'est pas dans les objets extérieurs, tiens donc. C'est dans quel objet? Un petit truc que je voulais installer. C'était dans les objets jardin. Objet d'extérieur de jardin. Non. Décoration de jardin. Donc là, il y a déjà ça. Hop. Des petits couverts. Je vais vous les montrer un peu plus près. Il y a la petite spatule, la petite louche. Ça change un peu de nos fourchettes. Que, comme vous voyez, nos fourchettes, elles ont pas beaucoup d'emplacement. Vous voyez, on peut pas non plus faire n'importe ce qu'on veut, que là, on peut vraiment, tac, vous voyez, tac, tac, on peut vraiment les mettre à d'autres façons. Donc ça, c'est un truc, je sais pas c'est quoi, c'est une barre. C'est la barre de fer, qui ne sert à rien. On va installer des casseroles aussi. Pourquoi il veut pas se mettre dans le... Ah ouais, parce qu'il y a le chauffe-eau, voilà, le pseudo chauffe-eau. On va mettre des couteaux. On va mettre les couteaux plutôt, ouais, plutôt là. On va essayer de tout installer, tout ce qui est cuisine de ce côté-là. Création de porte-bouteille, non. Après ensuite de cuisine, pas non plus des trucs extraordinaires. Mais par contre, je trouve pas ce que je cherche. Bon, je le trouverai plus tard, c'est pas grave. Je vais bien retomber dessus par la suite. Donc là, on est là, donc on finit par ça. Et on le prend en blanc. On va prendre un meuble entier. Oula! Est-ce qu'on le met comme ça? Ça fait un peu beaucoup là quand même en hauteur. C'est pas très joli. Plutôt mettre ça dans ce cas-là. Je suis en train de vérifier. Voir si ça va ou pas. Hop. Hop. Alors, un de coin. Hop, ici. Voilà. Et un de bord ici, si tu veux bien. Il faut s'approcher un peu. Voilà. Ensuite,
On va prendre un petit... J'espère que ça existe. Oui, ça existe. C'est parfait, ça. Et du coup, on va sûrement supprimer celui-là. Et on va prendre celui-là à la place. Oh, j'avais pas vu ça. Ça va pas aller. Je crois que ça va pas aller. Ça fait un peu bizarre. On va prendre un petit. Ça fait un peu bizarre, non? Et si je prends une fin ici? On va vendre celui-là. On va reprendre nos plans de travail. Prendre une fin. Non, on va prendre un normal. Voilà. On va dans nos hauts. Et on prend une fin droite. Il n'est pas de la bonne couleur par contre, hein. Voilà, c'est bien blanc. Est-ce que ça fait bien ou pas? Je le trouve un peu trop collé. J'aurais bien voulu qu'il soit juste à bord de ça. Est-ce que celui-là... Ouais, bah celui-là il est mieux déjà. Lui il est bien collé au bord. Donc on va prendre plutôt celui-là. Voilà. Autant prendre ce qui suit mieux. Là, on continue, on prend celui-là, on va mettre aussi celui-là là, voilà. On prend celui-là de coin, voilà, c'est beaucoup de meubles de hauteur, je sais, coin extérieur, est-ce qu'il ressemble à quelque chose, il ressemble à rien du tout, donc c'est pas intéressant. Juste tenter de mettre ça. Ce qui est embêtant, c'est qu'on peut pas les coller. J'aurais bien voulu les coller. Du coup, il faut supprimer celui-là pour mettre à nouveau un normal. Voilà. Elle est assez jolie là. La cuisine comme ça, j'aime bien. Je voulais créer un petit bar, mais je me suis dit non, pourquoi? Pourquoi faire ça? Autant créer un... une petite séparation ouverte. C'est un peu plus joli. Et rien n'empêche après, par la suite, de mettre un petit bar de l'autre côté. Le petit bar, c'est... celui-là qui est là. Non. Oui, c'est là, voilà. Est-ce que l'on l'a en blanc? Un petit gris, est-ce que ça fait beau gris? Ça rend pas. Je suis en train de voir si c'est pas plus beau mettre un bar en même temps. Ouais, mais si on met un bar, on peut pas mettre ça, donc j'aimerais bien coller ça en fait, comme ça. Mais ça rentre pas. Donc, je veux juste vérifier si on peut réellement coller ou pas. Parce que si on peut coller, je vais peut-être enlever le muret. Si on peut pas coller, non, on peut pas coller par rapport au poteau, donc c'est pas la peine. Je vais pas mettre de bar. Et un mini bar peut-être. Non, ça c'est un grand. Il n'y a qu'un seul mini-bar, par celui-là qu'on peut mettre en banc peut-être. Et si on le mettrait ici, ça n'irait pas. Quoique... Parce qu'on a assez de meubles de cuisine en fait, je suis en train de regarder, on a assez de meubles de cuisine là. Ça va faire trop si je fais un bar en plus.
Ça va faire trop, c'est plus joli comme ça, je trouve. On va plutôt prendre une table. Alors j'ai plusieurs tables en mode que j'ai acheté. Que j'ai pris. Je les ai pas acheté. Pas dire n'importe quoi. Je les ai eu gratuitement en mode. Petite table ronde. Ça c'est une table d'extérieur par contre. Hein, donc je vais pas la mettre. Très joli. Oh, mon emplacement ici. Est-ce que je serais plutôt d'avis de enlever tout ça et de mettre la table ici? Et dans ce cas-là, si je fais ça, il faut que je trouve un emplacement à mettre au frigo et à la poubelle de ce côté-là. Ça voudrait que le frigo viendrait ici. Il n'y aurait pas d'emplacement pour la poubelle. Ou alors j'agrandis la cuisine. Parce que là, si je mets comme ça, attendez. Hop, si je mets comme ça ici. Ça va peut-être gêner au niveau de la circulation. Si je la mets ici. Et je vais plutôt supprimer ces choses-là. Et on va mettre cette petite table. Au pire, je vous ferai une petite découpe pour que vous n'ayez pas à subir ça. A tout de suite.